Hello, hello. Bonjour, bonjour. J'étais mute. Désolé. Priori, j'ai toujours de la musique ici. Je désactive ça. Ça devrait être mieux. Pas de musique. Je teste mes trucs. Ça a l'air d'être bon. Ok. Donc. Désolé pour le retard, j'ai été me faire un petit thé. D'ailleurs, il y a un truc bizarre qui se passe là. J'ai fait des modifications, j'aurais peut-être pas dû comme d'habitude. Hop, je coupe deux, trois trucs, deux petites secondes. Désolé à tous. Donc, aujourd'hui, c'était. Entre guillemets, la première d'un nouveau mode de fonctionnement que je veux vous présenter, qui s'appelle Shortcut. Donc le but du jeu, en fait, c'est de faire des Pomodoro de 30 minutes, 25 minutes de code, 5 minutes de pause, pour justement pouvoir expliquer un peu le code, et surtout en évitant de parler, parce que quand je parle, que ce soit en anglais ou en français, la plupart du temps, c'est épuisant, éreintant même, je devrais dire. Et je suis totalement claqué le soir, donc je vais plutôt faire l'open bar comme d'habitude. Les live coding vont rester, mais se feront un peu plus rares. Et il y aura par contre plus de shortcuts, vu que je code de mon côté assez fréquemment pour modifier un peu tout ce qui existe déjà. Je pense que ça peut être une assez bonne idée pour pouvoir justement vous montrer un peu comment je code et comment ça fonctionne. Donc pour vous expliquer un peu le principe, j'ai modifié l'interface aussi, pour vous montrer un peu que c'est du Pomodoro, j'ai essayé de mettre des interfaces un peu rouges. Bon bref, hein, c'est comme ça, je voulais juste m'amuser un petit peu avec Temux. Il y a un petit outil qui s'appelle Gone, qui est développé en gauche, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne forcément bien, mais il fonctionne. Donc pour le moment, en fait, ça va rester comme ça. Je ferai un système de Pomodoro un peu plus complexe et un peu plus fourni plus tard. Et bah on fait un petit point sur nos STR si ça vous convient, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé, même si j'ai pas eu le temps de trop travailler dessus, vu que au fur et à mesure je vais faire les shortcuts, le open bar va être là pour résumer un peu tout ce qui s'est passé. Donc, tout d'abord, on va ouvrir un petit draw up. Pour vous montrer un peu où on en est. Donc, ça c'était la partie cliente. La partie cliente pour moi elle est pas done, mais en fait en gros la structure de base elle est ok. Il y a pas mal de choses qui vont être modifiées, ce que je vais vous expliquer un peu le principe après de ce que je vais faire. Enfin, je pense que vous avez déjà compris. Un service qui peut gérer plusieurs types de serveurs et de clients. Et qui va pouvoir gérer différents types d'interfaces, etc. Là, actuellement, sur le relais, j'ai pris à peu près la même base que le client. C'est-à-dire qu'en gros, on a notre relais qui est ici. Il va spawn en fait directement un listener. Un listener, un process de subscription. Alors pareil, pourquoi je fais ça maintenant? C'est parce que j'ai besoin d'avoir un système pour tester, de faire des tests d'intégration. Et donc en gros, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. On a le relais qui est ici. Ici, il y a le subscription supervisor. Et il va y avoir après. Alors pour l'instant, c'est un peu pour l'instant, c'est un peu dégueu, mais c'est le store. Et ici, on a le subscription. Sachant que ça va être un pool de process, c'est pas terrible pour le moment, mais je réglerai ça plus tard un peu plus propre. Donc à chaque fois qu'on démarre un relais, le relais, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement créer en fait comment ça s'appelle, un listener avec Cowboy. Alors le listener qui est ici, c'est un listener qui est simplement un jeune serveur. Subscription Supervisor va gérer en fait un pool de subscription. Ça aussi, ça va être un pool. Après, ça va être modifié après. C'est bien ce que ça va permettre d'expliquer un peu comment on fait pour mettre à jour en fait les principes, enfin les modules d'Erlang. Et après, on a le store qui va être créé. Et là, lui, il s'occupe d'avoir juste une database. Ça va être entre guillemets notre relais pour stocker les données.
Hop. Donc pour le moment c'est du ETS, c'est dégueulasse. Ça va être du Mnesia après et peut-être d'autres outils dans le même genre, mais ça permet en fait d'avoir déjà une idée sur comment faire les choses. Donc pour le moment, tout ça là, ça fonctionne. Ce qui fait que quand un client arrive, il va se connecter sur Cowboy, qui est lui-même en fait en gros une interface Orange. Et le client va venir, va permettre en fait en gros d'envoyer ses données et le relais après qui est ici va s'occuper en fait de forwarder avec un routeur. Alors pour l'instant je crois qu'il y a le routeur qui est fait mais il n'est pas terrible, c'est juste le Cowboy Handler qui va s'occuper en fait en gros de forwarder les messages un peu partout. Le relais de base, si on prend le flow de messages qui doit arriver, c'est qu'on a le relais handler, qui est un Cowboy Handler classique, qui va en fait forwarder directement les messages dès qu'ils arrivent dans le store et justement dans la partie subscription. Le store qui est ici, donc le message arrive. Je sais pas si j'ai. On va prendre celui-là, on s'en fout. Hop, le message arrive. Donc c'est l'event. Dès qu'un event arrive, il y a toute une partie de validation qui est faite. Et le relais, en fait, dès que c'est validé, dès que c'est décodé et dès qu'à peu près les données sont bonnes, les données vont être en parallèle, enfin en parallèle, c'est séquentiel, hein, parce qu'en fait, en gros, la donnée arrive, elle est, comment dire, parsée et vérifiée une fois et ensuite elle est envoyée directement au système de store qui lui en fait doit s'occuper de conserver l'information et je sais pas pourquoi lui veut pas se mettre droit tant pis et donc en gros le message va être stocké dans sa base de données. Si d'autres personnes veulent revoir plus tard ou extraire les données, ce sera présent ici. Et en fait dès que le message arrive après on va avoir un pool de subscription, du moins un process de subscription qui va récupérer le message et qui va aller valider dans une base de données qui n'est pas encore créée pour le moment. Justement, qui possède en fait et qui est inscrit à ça. Donc, on va dire qu'après, on a un client un peu plus loin, donc un autre client qui est connecté. Qui est connecté sur le relais. Donc, je sais pas, je vais mettre le relais comme ça. Le client qui est connecté ici au relais, dès que le message arrive, en fait, si la subscription le trouve au niveau de la base de données, le message va être forwardé au relais qui en fait lui-même va s'occuper de le renvoyer directement au client ici. Donc ce qui fait que à chaque fois qu'on a un message, le message va être transféré directement à un process subscription qui va. Alors toute cette partie-là n'est pas encore faite, hein, c'est une base de données, donc DB. Là aussi ça va être DB. Donc le message va arriver, va juste être vu au niveau de la subscription. Si en fait il n'y a aucune subscription qui est mise, le message est simplement droppé. Le process de subscription il est vraiment stupide. Il récupère le message, il le lit, il valide en fait s'il y a quelqu'un qui est abonné ou pas. Et dès qu'en fait il est abonné, il le forward directement vers le client. Donc il n'y a pas de modification spécifique dessus. À part que l'event en question va être après, comment dire, juste encapsulé dans le message de retour pour le client. Donc avec un type, je crois que c'est event, un truc comme ça, event avec suivi de l'ID en fait de subscription et du contenu de l'event. Donc le modèle est comme ça pour le moment. Et le store, c'est la même chose après. C'est-à-dire que le store va être divisé en plusieurs tables. Ou une table en fait avec deux, trois index dedans qui va permettre d'indexer plus facilement, de stocker les données plus facilement quelque part. Donc actuellement pour le relais, comme je disais, c'est un relais extrêmement basique. Il y a toute une partie de documentation qui va arriver sur comment ça a été créé avec Cowboy, etc. et comment que ça fonctionne en fait au niveau du moteur. Mais en tout cas, sur la partie relais, on commence déjà à avoir un relais à peu près fonctionnel. Sur la partie cliente, je suis toujours sur NIP 02 parce qu'en fait, l'architecture que j'ai utilisée pour client ne me convient pas, ne me convenait pas et ne me convient pas toujours. Dans le sens où j'avais pas prévu un truc, je crois que j'en avais parlé il y a une semaine ou deux,
c'est que même si c'est un protocole stateless, je vais devoir en fait gérer des sessions. Et le protocole que j'ai fait avec au niveau du client, en fait, ne gère pas ces sessions. C'est-à-dire que quand un message est envoyé, certains messages vont attendre en fait une réponse au message. Par exemple, si on envoie un event, le serveur va devoir répondre quelque chose. Et donc, il y a toute la partie gestion des messages qui doivent être répondus ou non. Et s'il n'y a pas de réponse, ça doit faire un timeout. Donc, pour le moment, en fait, j'ai ça à modifier parce que je n'avais pas du tout prévu ça. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il y a aussi un autre truc, ce que j'en ai parlé, il y a des gens qui sont, enfin, au moins une personne qui est intéressée par l'implémentation de BEC 32. Je sais pas comment on prononce ce truc, moi j'appelle ça BEC, mais je me trompe peut-être. Donc, dans les issues qui sont ici, si ça veut bien charger, je vais mettre un peu de temps, désolé. Je sais pas pourquoi ça met autant de temps d'ailleurs. Ok. Donc en fait, on a ça. Et il y a une personne qui est intéressée. Normalement, j'aurais dû faire ça cette semaine et organiser un petit pair programming avec Mars sur cette partie-là. NIP02, est-ce que je fais après un peu plus de temps, sans compter avec les missions que j'ai de mon côté et tout le travail. J'ai pas forcément le temps de bosser dessus. Mais j'avais déjà créé une sorte de gros draft. Je sais pas si vous vous rappelez, au mois de janvier, je crois. Où en fait, j'avais déjà tous les tests qui étaient créés. Et il n'y avait plus qu'à faire l'implémentation directe. On a déjà tous les vecteurs de test, etc. Donc on a un gros boulot encore une fois à faire dessus, mais les choses avancent plutôt bien, surtout que cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai vu dédier peut-être 2 heures maximum, peut-être 3 max à nos STR, parce que j'étais sur d'autres sujets, et cette semaine j'en ai peut-être dédié 2. Donc ça avance doucement mais sûrement, et j'espère que ça va avancer peut-être un petit peu plus vite dans les prochaines semaines, ne serait-ce qu'avec le principe de shortcut, ça va peut-être me motiver à faire un peu plus de petites vidéos à gauche et à droite. Donc voilà, je vous propose de faire un petit tour sur les news, parce que j'ai vu qu'il y avait des news qui étaient sorties il n'y a pas longtemps et j'ai pas eu trop le temps de regarder. Donc, il y avait la Erlang 26 R1 qui est sortie. 26 RC, hein, désolé, donc première release candidate. Alors. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté de nouveau sur la 26? Autocomplete variables, record name, blablabla. Donc ça, je crois que c'était un peu lié à ce qu'on avait vu avec la bêta en fait 26.01. Il y a quand même peut-être des choses intéressantes qui ont été rajoutées. External editor in the shell to edit the current expression. Alors, ça, c'est super intéressant. J'ai hâte de le tester, parce que rien que pour les tests, ça va être cool. Ça aussi, ça va être cool de définir en fait les records directement dans le shell. J'ai hâte de les tester, ce que j'en utilise beaucoup. Ça, pour l'instant, je m'en fiche un peu. Compiler and. Ouais, il n'y a pas eu grand-chose de rajouté depuis la dernière fois. C'est toujours un peu les mêmes choses vis-à-vis de la dernière fois quand on a été faire un petit tour dessus. Okay, c'est bon à savoir en tout cas, la 26 va sortir dans pas longtemps. Je vais essayer de voir si je peux pas la supporter en plus. Alors, rangeons par date. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de beau à proposer? Embedded Cloud Elixir, Spark Meter. Ok. Il y a la 25.03, enfin la 25.3 qui est sortie aussi de Erlang. À voir. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Fred Herbert. C'était en 1er janvier, donc ça date un petit peu. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de news récentes à vous partager. On a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça, je pense. Alors, il y a beaucoup de.
beaucoup de merges, etc., qui ont été faits. Je pense pas qu'on va faire un code review là-dessus. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire des code review. Alors, prépare release. Alors, il y a un épisode de Bim Radio avec José Valim. J'ai pas eu le temps de l'écouter. On va peut-être aller faire un petit tour dessus aussi. Distributed tracing production. Alors. M'intéresse pas trop pour le moment, en tout cas. Ouais, j'ai plus de 1000 news à regarder, je suis pas sûr. On va aller jusqu'à février déjà. Donc, ça, a toujours Spark Meter. En double d'ailleurs, c'est bizarre. Alors pareil, il y a ça aussi à voir. C'est quand même incroyable de voir que tout le monde parle d'Elixir et personne ne parle d'Erlang. Ça, c'est un truc qui me fait. C'est quand même incroyable. Absolument tout le monde parle d'Elixir, en tout cas dans toutes les news que j'ai, et je vois quasiment plus rien sur Erlang, quoi. C'est d'une tristesse incroyable. Ah, encore une fois, Elixir, la sécurité. Elixir sur cars.com. Putain. En tout cas, c'est bon à savoir. Hein. Si Erlang meurt, je sais vers quoi il va falloir que je me tourne à plein temps. Fusitex, c'était pas mal. Il y a quand même pas mal de choses à voir. J'ai pas vu. Pour le moment, on a fait un petit tour, mais bon, il n'y a pas forcément énormément de choses à regarder. On verra ça plus tard. De toute façon, je clinerai ça un peu plus au fur et à mesure. Je sais que j'en ai. Là, on est qu'au mois de février. Au moins, l'été jusqu'au mois de janvier, au moins, ce sera fait. Control Pintidal. Backlinks. Ok. Des notes sur le grade vert. Elixir 7. Allez, c'est done pour aujourd'hui, les news. Il n'y a pas grand-chose. Hein. On va se mettre sous la dent. Donc je vais peut-être vous parler aussi d'un autre sujet, Rapidos, puis je pense que je ferai un autre switch sur le NoSQL après, histoire de coder un petit peu, faire de la doc surtout, il y a beaucoup de doc à faire. Donc j'ai relancé un programme que j'avais lancé en 2020, qui consiste en fait à faire comment s'appelle, de la formation, etc. sur Erlang. Il y a des vidéos qui vont arriver d'ici sous peu, ça prend pas mal de temps. Et je suis pas vraiment sûr que j'aurai un truc fonctionnel avant le mois prochain. Mais le but, c'est de fournir déjà des premières démos de ce que je compte produire. Et il va y avoir les systèmes de formation directement, je sais pas encore où. Potentiellement, en fait, il y aura des shorts vidéo, vraiment des vidéos très courtes. Sur comment installer Erlang le plus vite possible, comment faire ça ou ça en Erlang, comment solutionner tel truc en Erlang sur YouTube, donc on va dire des vidéos de moins de 5 minutes, et il y aura potentiellement après des vidéos beaucoup plus grandes, potentiellement même des formations beaucoup plus longues, qui consisteront en des vidéos de 20-30 minutes, peut-être 1 heure, découpées en fait en sessions de 10-15 minutes. Donc ça va arriver d'ici sous peu.
Mais je fais quand même pas mal de choses en parallèle, donc c'est un peu compliqué de tout suivre. Mais ça va arriver au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Bon, je pense que j'ai fait le tour au niveau des annonces. Je vais peut-être lancer un petit coup de Discord, voir s'il n'y a pas des gens connectés. S'il n'y a personne de connecté, on va aller faire un petit tour du côté de nos STR pour développer, peut-être ajouter les tests qui nous manquaient. Pas grand monde. Allez hop. Pour une petite session code cette fois-ci avec moi qui parle. Donc, pourquoi aussi j'aime bien Pomodoro? Ça me permet de rebondir un peu là-dessus. Donc, la première session de Pomodoro, qui était en fait découpée en deux sessions, elle m'a permis de produire cette doc qui est quand même vraiment pas mal, mais j'ai pas eu le temps de la tester et de la compiler. Je pense qu'on va se faire ça tout de suite et puis on va voir si ça marche. Check. Et après, on va peut-être se faire une petite intégration des tests. Un petit peu de record state, mais ça c'est pas très grave. Alors c'est dans build. C'est pas là. Oh, je sais plus, trop de mémoire. Ah non, je suis bête. Browser, et c'est dans doc. Voilà, ça va fonctionner. Fais un petit tour dans Annex. On a subscription ici. C'est plutôt relay subscription. Eh, c'est parfait ça. Donc on a notre petit schéma qui est intégré. Il y a la liste en fait, en gros, des trucs de ce qu'il y a à faire. Alors, il y a 2-3 cleanups à faire aussi. J'ai des trucs à définir, du to do à faire. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a la doc pour celui-là à faire aussi. Ok, c'est cool. Puis il va y avoir tout ça à créer après ensuite. Non, mais pas mal. Ça avance plutôt pas mal. Si je faisais pas, si je faisais un petit tour sur Amnesia et peut-être designer la base de données qu'il va y avoir derrière. Je vais en avoir besoin de toute façon dans pas longtemps. Je vais faire peut-être 2-3 tests. Ouais, ça va changer. J'ai pas trop envie de développer là pour l'instant sur le STR. J'ai développé 25 minutes tout à l'heure, c'était bien suffisant. On va se faire ça. Alors. Hop, déjà Amnesia. Il va me falloir des records et il va falloir qu'on design la base de données. Pour ça, rien de mieux que le guide d'utilisateur. Build Amnesia Database. Et moi, je veux voir le schéma. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Amnesia, alors personnellement, moi, je ne l'ai pas utilisé un nombre de fois incroyable. Généralement, j'utilise plus des petites tables TS un peu partout. Parce que mes applications n'ont pas besoin d'avoir Amnesia à tous les coups. Par contre, en fait, Amnesia, ça marche comme une base de données relationnelle classique. Donc, vous pouvez faire des requests, enfin des queries, et vous allez avoir des données qui vont être retournées. Et il y a tout un principe, en fait, de schéma qui doivent être définis. Et le schéma est défini en utilisant généralement des records. Et les records vont être utilisés pour permettre de faire le mapping entre les données et les tables elles-mêmes. Amnesia, pour les personnes qui savent pas, c'est quand même assez utilisé. C'est utilisé sur RabbitMQ, mais c'est aussi utilisé dans CouchDB, dans mes souvenirs, dans pas mal d'outils qui utilisent Erlang. En fait, ils ont toujours un petit bout d'Amnesia quelque part, si besoin est. L'avantage d'Amnesia, c'est que ça permet de synchroniser des données nativement sur un pool en fait de nœuds, quoi, sur un cluster de serveurs, pour justement avoir toujours des données synchronisées
entre sur les différents nœuds. Donc, on va aller s'amuser à créer un petit schéma. Alors, le schéma, on l'a déjà, dans le sens où on a nos events et il va falloir qu'on crée en fait les différents éléments qui vont dedans. Donc, ce qu'on va faire simplement, là, ça va être juste un test. Je vais démarrer la table. Media Start. Donc normalement, si vous faites Media Start, vous allez voir. Je sais plus si vous comprenez ça, mais normalement, on voit une base de données qui s'affiche. C'est peut-être après quand on va créer les tables. Donc on va créer une table. Create table. Je sais pas s'il faut un schéma d'abord. Faire un petit create schéma alors. Quoi que c'est bizarre, j'ai pas besoin de ça. On va l'appeler event et normalement on va faire juste suivre stupidement la doc. Je vais juste attribute, c'est juste pour faire 2-3 tests, voir si ça marche. Record info et on avait dit que c'était quoi, event. Hop. Donc là, a priori, elle est créée. Juste voir s'il y a quelque chose qui a été créé ici. A priori, non, pas pour le moment. Donc normalement, elle a été créée. Ça veut dire que maintenant, on doit pouvoir avoir accès aux tables. Comment on fait? C'est pas i. Info. Donc a priori, on a ce schéma event. La table event, elle est bien présente. A priori, il n'y a que des copies en RAM pour le moment. Donc on va voir ce que ça donne dès qu'on insère des données. Donc pour Amnesia, ce qu'il faut, c'est utiliser un système de transaction. Hop. Donc la première chose qu'on va faire, c'est juste insérer une donnée un peu stupide dedans qui ne sert à rien. Non, je sais plus comment on fait. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Right. Normalement, c'est juste ça devrait être bon. Ok, donc a priori ça a l'air d'être bon. Et normalement, on doit pouvoir en fait faire un petit select. Alors par contre, il faut que je revoie la documentation pour select aussi. Tout ce que j'aime. Soit j'utilise ETS pour crafter un truc. Soit on peut le tester à la mano. On va le tester à la mano. Alors, match aid. Alors, il y a un truc qui me dérange aussi là. C'est qu'au final, je me dis que d'avoir fait des bitstrings, ça va peut-être me poser un petit problème quand je vais devoir jouer avec la base de données. Parce que le pattern matching ne va pas fonctionner directement dedans. Et ça, je suis pas trop fan. Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve une solution pour directement. Alors, je m'explique un petit peu, c'est parce que il y a des préfixes qui vont être utilisés pour chercher des éléments dans la base de données. Et donc il va falloir potentiellement que je modifie un peu les structures au niveau de la base de données pour pouvoir insérer des données si j'utilise Amnesia. Donc après, l'autre possibilité, c'est de passer en full chaîne de caractères. Bon, on verra ça plus tard. Pas très important. Pour le moment, en tout cas. Alors, match. Alors, la table, ça va être event. Match aid ici, ça va être notre event. Pour le moment, on s'en fout, on peut tout récupérer.
Je pense qu'on va juste faire ça, dollar 1. Le deuxième élément, ça va être le guard. Donc actuellement, on s'en fout, on ne veut pas de guard. Au niveau du résultat, on veut juste dollar 1. Donc exactement comme en ETS. Le transaction, désolé. Le transaction. Ok. Ici, là. Donc là, on voit bien qu'on récupère tout ce qu'il y a dans la base de données. Donc typiquement, ce que j'ai inséré à l'instant. Donc on peut toujours essayer de créer un nouvel event. Donc dans mes souvenirs, on fait Master Client. Merde, j'ai oublié comment on fait. Allez, la doc. D'où le principe de la doc. Et ça c'est dans le STR libre. Et maintenant, on essaye de faire une petite transaction avec ça. Ah oui, mince, parce que c'est mon code, donc je vais le décoder. Je crois que j'avais fait un truc justement pour pouvoir le retourner, mais en. Tout ça, j'ai pas documenté. Et voilà. Voilà où j'en suis. J'en suis réduit à lire mon code dégueulasse. Code signature en code tag. C'était quoi l'option que j'avais utilisée? Record true. Parfait. Voilà, donc là normalement si je fais la transaction, a priori ça a l'air d'être pour moi, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc là on a bien nos deux éléments. Maintenant, je pense savoir en fait comment faire pour récupérer juste un élément. Donc typiquement, on va essayer de faire la chose suivante. Event, on va faire public key.
Et normalement, ça devrait me retourner. Ah oui, alors attendez, parce qu'il y a le système de guard. Normalement, ça devrait être bon. Dollar 1. J'ai oublié un truc. C'est ici. Event. Il n'y a pas tellement. Ok, alors. On va mettre ça en plein écran. Comment que ça marche? On a le event ici, public key. Et donc ça, en fait, on va le retirer. J'ai rien que ça. On va voir si ça fonctionne. On va juste extraire, par exemple, le content dans un premier temps. Donc, il trouve rien. Si je fais juste content égale test texte. Est-ce qu'on va récupérer, c'est ça? Truc que j'aurais loupé quelque part. Ouais, je pense que je pense qu'il faut que je fasse en sorte de tous les autres, en fait, genre created, add, etc. Faut que je les... Un pattern dessus. Kind. Ça marche. Alors, déjà, pour à partir d'un ID retrouver en fait le contenu, ça fonctionne. Je vais peut-être faire deux trois notes sur le store. Sachant que le store, après, je pense qu'il sera partagé entre le client et le. Hop, et le relais.
Alors. Je vais prendre des notes au fur et à mesure. Tout le cas, je sais pas comment ça fonctionne. Il y a deux points start. Déjà, ce qu'il faut, c'est lire les records. Donc, master lib. On démarre Amnesia. Amnesia, deux points. Create table. Events. Et on va faire record info. C'était exactement. C'est pas très loin. Juste ici. Je trouve. Voilà, c'est ici. C'est cette fonction-là que je voulais. Donc là, on a la fonction de base pour créer la table event qui va contenir tous les events. Il nous faut la fonction déjà pour insérer un event. Là, pour le coup, c'est pas trop difficile à faire. On va mettre un petit code qui est ici. Hein? Ensuite, il nous faut la fonction pour pouvoir faire l'insertion. Oh, d'accord. C'était juste une très bonne ligne. Là, on n'est pas trop mal. Donc là, c'est la transaction. On s'en fout un peu. Normalement, ça doit être OK. Et maintenant, on va faire la partie select qui va nous permettre justement de sélectionner. Transaction, elle se fait de la façon suivante. On sélectionne la table. On va créer en fait l'event qui va nous permettre de chercher. Hop.
va faire, c'est qu'on va diviser en deux. Search. Et donc en gros, cet event-là va venir ici. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous montrer un peu comment ça fonctionne avec, avec ETS avant de faire ça. Donc, on a des atomes assez spécifiques qui commencent par dollar généralement, qui permettent justement de cacher différents éléments au niveau de la base de données. Et quand Amnesia en fait, va être appelé au niveau du select, ce qu'on appelle un match pattern, il va chercher en fait si un pattern correspond à la valeur présente, enfin bon endroit de la valeur présente. Si en fait il trouve cette valeur, il la retourne. Donc le underscore, comme celui-là, c'est pour dire qu'en fait on drop tous les éléments, enfin on s'en fout. C'est un wildcard, en fait on s'en fout du contenu de l'élément en question. Le $1 correspond en fait au premier match qu'on veut extraire. Et après on peut mettre, comme du pattern matching classique, l'élément complet. Au niveau de l'event, par exemple. Donc ça, cet event-là va nous retourner la structure de données qu'on a vue tout à l'heure, typiquement l'atome test, parce qu'en fait, ce qu'on retourne, c'est on retourne only the content this event. OK. Et donc dès qu'on a ça, on a bien le test. Si par exemple, on veut retourner la public, la clé publique, on peut retourner la clé publique de la façon suivante. Et là, on a bien normalement la clé publique. Hop. Badar. C'est une liste de listes qu'il faut rajouter. Et on peut très bien rajouter ça comme ça pour que ça fasse un peu plus propre si on a plusieurs valeurs. Il veut pas. Bon, ben là, c'est comme ça. Donc en gros, le premier élément, c'est le contenu et ensuite la clé publique. Donc c'est tout à fait possible de faire ça de la façon suivante aussi. Je vais le rajouter un exemple dans la doc. Comme ça, dès que j'aurai besoin de réécrire l'interface et de faire le schéma un peu plus proprement, ça me donnera quelques petits exemples. Dollar 2. Hop. Ça, c'est bon. On a déjà un peu une idée. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on peut supporter les préfixes? Parce que le but de ce que je suis en train de faire là, c'est justement, si possible, d'avoir la possibilité de matcher au niveau de certains préfixes. Et pour être franc, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Parce que j'avais déjà fait mes tests dans mon coin. Donc, à mon avis, il va falloir qu'on s'amuse à faire autrement. Ma vie, ça n'a pas fonctionné. Ça va pas fonctionner comme ça. Alors, qu'il va falloir que je fasse, à mon avis. Ah, ça me fait un peu chier quand même. Je me demande si dans la base de données, je vais pas devoir en fait adapter les IDs et tout ce qui est en bitstring pour pouvoir en fait permettre de faire enfin, mon catch facilement. Plutôt que de faire des trucs un peu dégueulasses. Alors, on va faire un petit tour au niveau du guide. TS, moi je voulais. Et je fais match. Alors, c'est
Alors, est-ce qu'on a des trucs intéressants? Alors, on a les guards, ça c'est cool. Ce qu'il faudrait peut-être voir, c'est au niveau des guards, la liste des guards qu'on a par défaut. Map get, map size, node, byte size, trim, binary part. Cet élément-là peut être intéressant. On va aller faire un tour dans la doc. Part of the binary, described by post len, negative lens can be used. Ok, donc on va tester ça. Donc si on veut notre élément, donc typiquement l'ID en question, on va l'appeler c'était quoi, c'était celui-là? C'est pas celui-là. On trouve celui-là. Donc celui-là, il retourne bien le bon élément. Ce que je veux maintenant, c'est que je vais couper en fait E2. Et ce que je vais faire, c'est faire via le guard en fait, essayer de voir si on peut extraire les préfixes. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire E3. Il va choper, je sais pas moi, 64 bits de E2. Et le reste, en fait, on va le drop. De mince, plutôt là, le préfixe, ce sera plus logique. ID. Ok, donc là normalement on a le préfixe, pas mal, et on va pouvoir en fait faire la chose suivante. On va récupérer la valeur qui est ici, qui va être donc pour le coup $2 injecté dans le guard qui va être ici. Et donc on va faire un guard. Alors il faut juste que je revoie la syntaxe parce qu'à chaque fois la syntaxe de match pack est horriblement dégueulasse. Donc déjà, on va peut-être essayer de le faire manuellement. Avant de s'amuser à faire ça, va essayer de la faire de la façon suivante. Binary. Part. E2. JS7. On veut le préfixe. Et voir déjà ce que ça donne. Donc, si je fais une erreur, si ça va pas le faire. Et donc je vois au niveau du guard en question comment que ça fonctionne. Extract the part of the binary. Ça va être 64. Testons. Ça. Bin, byte size, bin 5. J'ai jamais utilisé cette fonction. Oh mince, je suis bête.
0, 8. Là, ça fonctionne. Donc, on a le préfixe. Si on a le préfixe, on va prendre le code de départ. Il va falloir recoder ça. La question de savoir, c'est est-ce que si on fait ça. Donc ça, je vais le noter quelque part parce que ça va peut-être nous aider. Code d'après, donc je vais le mettre dans la doc ici. Et ça, il va falloir convertir donc en match pattern. Donc le match pattern, il va ressembler à quoi? Il va être dégueulasse déjà, ça c'est une certitude. Ça me donne déjà mal au crâne. Après, ça se sent du préfixe. Là, déjà, on devrait être pas trop mal. Ok. Alors, on a un autre truc en fait qui fonctionne pas mal. Je vais l'utiliser tout de suite. Ça va être fun to match spec. Parce que là, je suis en train de péter un câble. La spec qui est ici. On va l'appeler C. Ok. Ça va être C. Ensuite, il va nous falloir le. Ouais, ça devrait être bon. Donc, on va avoir C ici. Fun de C. When. Donc, préfixe, normalement, il est défini ailleurs. Donc, ça devrait être bon. Égal. Binary part. $2. Je sais même pas si on peut faire ça comme ça. Ça comme ça déjà. Faire un petit tour sur.
avis. Pas si ça fonctionnait comme ça. Face à la mano. Ensuite, le préfixe en question est défini avant, donc ça devrait être bon. Le binary part ici, ça va être l'ID. Et nous, ce qu'on veut récupérer, c'est le content. Voilà. On a notre code. Je vais récupérer ça aussi, parce que je pense que ça va être utile un peu plus tard. On a notre machine, on a notre spec. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on doit faire. Voilà. Donc ça, en fait, ça va nous retourner la valeur suivante. Juste là. Copier-coller. Un peu crade comment que ça organisé, peut-être c'est un peu mieux. Tu vois, ici. On va voir. Les guards et alors ça c'est un guard aussi, c'est l'élément qui est là. Là normalement on a notre structure de données. Et donc maintenant, on va créer la fonction qu'on avait prévue avant. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait ça, c'était pas beau.
Alors qu'est-ce qui déconne? Déjà ça, je peux rajouter juste ça. Binary part. Alors le premier élément qui dit c'est const. Donc on va mettre const ici. Parce que c'est une valeur constante. Ensuite on a binary part, $2. Alors ça c'est bizarre par contre. Pourquoi il met 0,2? C'est comme ça. Bizarre, c'est moi qui ai fait un problème de copier-coller. Donc là ça fonctionne. Donc là on a notre transaction complète qui nous permet d'extraire les informations qu'on veut basées sur un pattern. Ça, typiquement, je peux le séparer en plusieurs bouts. On va faire ça comme ça. Ça s'appelle note event à chercher, qui est un peu copieux. Après, on a notre guard, qui est lui aussi assez copieux. Et on a notre sélection. L'air pas trop mal. Voilà. Donc ça, après, on doit le changer sous forme d'une fonction. On peut très bien s'imaginer qu'on a un truc comme ça. Préfixe. Ça m'a l'air pas mal. Alors, je peux changer deux choses déjà. Le $2, on va le convertir en $1. Quoique ça fonctionne très bien ici comme ça. Ce qu'on est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est plutôt cool. Et je vais arrêter de streamer dans pas longtemps. Parce que je crois que j'ai dépassé un peu le temps que je voulais faire. Mais là, en tout cas, avec ce code-là, on a la possibilité d'utiliser déjà une partie de ce que je vais avoir besoin pour stocker les données. Donc au niveau du relais, mais aussi potentiellement au niveau du client. Parce que j'aimerais bien utiliser tout un système de queuing. Au début, je voulais utiliser une structure de données type queue pour faire 2-3 trucs. Ça ne convient pas forcément.
Je pense que d'un point de vue client, je vais utiliser en fait Omnésia pour stocker énormément d'éléments, et que ce soit d'un point de vue client ou d'un point de vue relais. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur Omnésia, Rapidos. On a fait un petit peu le tour sur justement toutes les fonctions qui sont ici. Moi, je propose qu'on va faire un petit check déjà pour voir ce que ça donne, qu'on regarde un coup la documentation, et puis on va s'arrêter là. Juste pour être sûr que j'ai rien perdu. Alors, je pense que pour la partie en fait extraction de données avec comment ça s'appelle avec Bitstring, il y a peut-être une autre méthode. Pour l'instant, celle-là, elle fonctionne. Hop, subscription, store. Ok. Donc là, on a bien notre documentation. Alors ça, c'est du draft. Je pense qu'on va après s'amuser à faire deux, trois trucs à côté. Mais ça, c'est déjà, entre guillemets, une partie du test. Alors ça correspond à plein de choses. Ça correspond aux parties du test, stockage et recherche d'informations au niveau de la base de données. Dès qu'on a ces trois trucs-là, et là actuellement c'est déjà une grosse partie qui est faite, on va pouvoir s'amuser à faire la partie store et faire la partie justement subscription un peu plus en détail, que ce soit du côté client mais aussi du côté relais. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Vous m'entendrez plus parler sur les prochaines vidéos parce que ce sera à mon avis du 100%. Je vais non. Shortcut, donc en gros que des petites vidéos de 30 minutes maximum. Et dès que ça se sera fait, bah on est pas mal. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end, un très bon vendredi, et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao, à plus, à la prochaine.